ça. C'est pour TF1, c'est pour Antenne 2, c'est pour... C'est pas dans le bon sens, là. Ah, merde, tu veux dire en bas. Les fleurs qui tombent en bas. Il faut que les... Tu vois, quand tu tiens ta branche... Oui, les fleurs. Voilà. Donc là, tu vas la tenir comme ça, ta branche. Voilà, c'est la fleur toujours d'en bas. Voilà, la fleur en bas. Je le visse. Hein. Et après, tu fais comme tu peux. Hein. Comme ça, la fleur voilà. En bas. Ouais. Voilà, et tu tires, tu en prends une poignée, tu n'as pas peur de la... Voilà, et, pas une, et tu sais, il prend une poignée. Ouais. Tu n'as pas peur de serrer, tu sais, ça inspire rien. Si j'ai des feuilles en même temps, ah, tu les enlèves. Après. Plus, c'est pas grave. On est autorisé à avoir un peu des feuilles. Hein. D'accord. Mais bon, ça t'est plus commode quand c'est comme ça, parce que les... Je vois bien, voilà. Et après, c'est une habitude, hein. Ça vous faites ça chaque année. Ouais. Ah oui, on adore ça. On a toujours adoré ça. On adore ça, bien. Pour l'instant, je ne sens pas trop. Non, on ça. Bah là, il fait froid. Ah, c'est pour ça. Ce matin, chaud, ce matin, ça matin elle est froide. Oui, depuis quelle heure? Oh, 9h. Je donne des interviews, Jacques, mais c'est payant alors. Oui, ben, je. Oui. Tu m'en prends. Il adore filmer et faire des petits trucs comme ça. Voilà. Voilà, ça dépend un peu. Dans le bon sens. Je vais jouer la concurrence parce qu'il y a déjà Antenne 2 qui m'a contacté. Ça fait chico, ça. Hein, ça change un peu la politique. Oh, bon, m'en parle pas. Et qui n'ira plus à la télé, moi. C'est un sujet dangereux, hein. Où va-t-on? Je cherche pas de bêtises, hein. Après, alors, ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui était vraiment dans la tradition des baronnies. Mais ah. Et mais malheureusement... On en voit plein sur la route encore. Ça se ramasse encore un peu, mais très peu, ouais. Par rapport à avant. Avant, tout le monde s'y mettait et tout. C'était sympa, quoi. Ah, oui. Avant, c'était la famille, oui. Toute la famille, parce que c'était les vieux en bas, comme je te dis, les jeunes sur les échelles. C'est comme, tu vois, on vient de parler avec Eric, parce que après tu montes, plus tu montes, à la limite, plus c'est là, et plus ça avait d'importance jusqu'à la Bourgogne. D'accord. Mais là, le monsieur là, le problème c'est que maintenant il y a la PAC. Il te donne le boulot là au pied. Coucou, c'est moi le chef. Oui, au boulot, oui. Au boulot. Ah oui. C'est pas un manuel. Il te paye par exemple pour tenir les champs propres. Oui. Et donc un agriculteur comme Eric, à la limite, il va plus gagner, même si actuel. De mettre son broyeur, de passer son broyeur, oui, que de ramasser ça. Ah bon si, ah oui, voilà, c'est la PAC, c'est le côté vicieux de la PAC, c'est tout. C'est, oui. Voilà, parce qu'il va être payé, t'as un hectare, c'est combien tu dis le hectare, c'est pas 5 gâteaux. Alors, c'est la PAC, c'est surtout c'est pour l'élevage, ouais. Et voilà. Surtout pour les prairies où il n'y a rien. Ah d'accord. Il faut entretenir le n'importe quoi, voilà. C'est à peu près 450 euros l'hectare. Tu te rends compte? De prime. Oh, en l'agriculture. De prime. Pour ça, est-ce qu'on le paye pour... Oui. Et dans l'arbo, on est les. Dans l'arbo, c'est quasiment. Même moi je ne réclame pas la PAC, j'ai pas la PAC. Oui. Parce que la PAC, dans l'arbo, c'est pour relancer soi-disant l'élevage et pour faire. Oui. C'est très bon pour les mains. Dans certaines hein. Régions. Travailler bien les mains, hein. Entretenir l'agriculture, en fait. En fait, c'est les RSA de l'agriculture, oui. Hein, la PAC. Oui, oui. D'assister. Oui. À part le président de la FNSEA qui est à la tête de 31. Administrateur dans 31 sociétés. Oui, oui, oui. Président dans 13. Dans la société à Avril, c'est ça? Oui. Donc lui, il touche un des plus gros. Parce que même les céréaliers touchent beaucoup aussi. Oui, oui, oui. C'est un hectare. Donc oui, plusieurs hectares. Mais il n'y en a plus des céréaliers. Hein. C'est tous des groupes financiers maintenant. Ouais, ouais, lui, ce agriculteur, il a mis les bottes pour les manifs. Mais en fait, oui. Quand tu es administrateur dans 31 sociétés. C'est un homme d'affaires. Oui. Ah. Oui. Dingue, hein. Ouais. 750 hectares, il a, donc, de ceux qui, dans France, qui touchent le plus de Pâques. J'appelle plus ça un paysan, ça. Ici, il y en a encore de vrais agriculteurs, comme ici, tu vois, de toute façon. Mais là, c'est plus des agriculteurs. Alors après, il faut faire sécher, il faut faire... Ah oui, alors après, tu vois, tu as vu le brasse, là. Oui. Alors après, ici, il y a de l'espace. D'accord. Il y en a qui montent dans un grenier. Ah, oui. Attention, c'est toi. Il faut l'étaler et retourner après avec une fourche en bois, au moins une fois par jour. Et ça met... Comment il faut, en fait, Eric, à peu près. Au moins 15 jours, je ne m'en veux plus. Pour sécher. Sécher. Oui. Mais ça dépend. À la poste, c'est un rapport de la vitesse que roule le facteur. Et ici, c'est un rapport du soleil. Si c'est une canicule là, quoi, en quelques jours. Pas cette année, je crois pas. Hein. Mais s'il reste, s'il fait de la pluie et de l'humidité, ouais. Ça mettra beaucoup plus de temps. Quoi. Oui. Autrement, il faut quand même minimum quand même 15 jours. Ouais. Là, il n'y a pas de soleil.
Mais sérieux, quand vous avez du soleil, que vous êtes là à midi, à cette saison, vous ne tenez pas. Là. Ah oui, là, non. C'est... Sous les tuiles, oui, sous les... Ah ouais, là, c'est pour ça que là, au niveau du séchage, ouais. C'est sûr qu'on peut parler à... presque à quelques jours. Ah oui. Parce que là, c'est presque maintenant. Oui, mais c'est juste sous les tuiles, là, oui. Ah ça. Oui, là. Alors, la pâte est encore progressive, là-bas, on est à... à 50 cm. De revenus, parce que les gens trouvent que ça ne rapporte pas assez. Ah. On ne peut pas payer quelqu'un, tu veux, parce d'accord, que d'accord. Tu payes quelqu'un, ouais. Voilà, c'est pas la peine. Ça ne vend pas assez. Mais moi, je trouve quand même que les gens, ils pourraient quand même ramasser plus. On oui. Là, en famille, là. Il y a des tas de raisons. Il y a ça, il y a aussi parce qu'ils n'ont plus l'endroit pour les faire sécher. Ah oui. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, d'accord. Oui. Les greniers, maintenant, ils ont fait des chambres, ils ont fait des... Ah oui. Voilà. Ah oui. Après, ils n'ont plus les échelles aussi. Après, ça ne va plus tailler. Il faut savoir. Oui. C'est le savoir-faire des vieux qui, voilà. Qui est parti. Oui, donc, puis monter aux échelles, c'est pas ah, toujours facile. Un salarié, c'est interdit de monter sur une échelle. Ah oui, oui, oui. Ah, bon ah oui, maintenant. Ah oui, à un certain âge, les mineurs. Mais même pas à un certain âge, c'est interdit. Non, c'est... Il faudrait une nacelle. Alors, Nicolas Chauvet avait commencé à le faire, ça. Oui. Lui, il dit toujours. Il avait commencé à prendre un petit camion, et il était une nacelle. Oui. Malheureusement, il a fait ça. Je crois que c'est l'année d'après où il a nommé. Il est tombé malade, une sorte au dos, là. Tout. Et depuis, c'est plus ça. Lui, il avait commencé à prendre un système de nacelle. Ah bon, là, ouais. Il y aurait eu un camion, ton petit camion, avec une nacelle. Oui, c'est parce plus... que les échelles... C'est interdit, oui. T'as plus le droit de payer quelqu'un d'autre. Toi, tu tombes, mais... Oui. Si, tu payes, si quelqu'un, un ouvrier tombe... Oui. Ah la vache, oui. C'est pas intéressant. Maintenant, c'est une nacelle. Et là, tu vois, Jacques, là, Martine, là, jolie chance, là, c'était Eric. Oui. Pour te résumer simplement, oui. Avant, là, c'est les abricotiers. D'accord. Oui. Donc, l'évolution, ben regarde ce qu'il y a maintenant. Oui. Les oliviers. T'as compris? Oui. L'évolution de l'agriculture oui, de la région. Oui. Mais tous les arbres-côtiers, t'en verras. Ils ont tous noirs, quoi. Ouais, ça ne rapporte plus rien. Oui. Les gens, depuis petit, ils arrachent. Oui. Pour le moment, c'est l'olivier qui est le plus intéressant. Il faut tout dire, pour le moment, c'est pas... Oui. Ah bon, ah bon. Voilà. Et en plus, alors, très important, une récolte d'olives. Tu as 3 mois pour la ramasser. Les arbres-côtiers, oui. Tu as 15 jours maximum. Eh oui. Autrement dit, le couteau sur la gorge. Oui. T'es oui. Tu vas embaucher du monde. Les olives, c'est pas c'est du boulot, ouais. Oui, mais, oui, mais tu as un peu plus de temps, oui. T'as 3 mois pour ramasser ta récolte, toi. Oui, hein, oui. La différence. Un peu plus avancé, ouais, oh, ça dépend, hein. Hein ouais, ouais. C'est joli, hein. À la couleur qui est, c'est joli. Oui, oui, c'est très particulier. Hein. Très, le vert des feuilles mélangé à ce. Oui, 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 très doux. Très doux, ouais. Ni jaune ni vert, oui, c'est oui. Couleur tilleul, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Un divers tilleul. Oui, bah oui.